destination. Et on est coincé au domaine. On est heureux. En fait, ce qui se passe, parce que vous ne l'avez pas vu quand même, c'est que on a terminé notre prestation de mariage. Il a commencé à pleuvoir. Et en fait, les rivières ont débordé. Donc du coup, zone rouge. Et des voitures qui se sont emportées, etc. Donc c'est un peu dangereux. Donc du coup, on a décidé de dormir. Kinder surprise. Ici. Voilà. La suite au prochain épisode. Ah, mais j'ai mis mes chaussures là-bas en plus. Mais... Pourquoi tu aurais écrit ? J'adore les aventures. C'est mieux que Koh-Lanta. Ouais. Ouais. Je me sens cramé. Bon, mais en vrai, ça va. Je vais peut-être dormir 2-3 heures. Voilà, on s'est installé dans notre voiture. On va passer la nuit ici. En gros, ce qui s'est passé, on était en prestation de mariage. Vous avez vu le domaine, etc. Il y avait des gros nuages. Sauf que dans la région, quand il pleut, c'est genre vénère. Et les rivières ont commencé à déborder et les infos nous ont annoncé lors de la soirée qu'on était passé en zone rouge et que c'était dangereux de circuler au risque de se faire emporter la voiture dans les eaux. Donc du coup, les mariés ont annoncé la nouvelle lors de la soirée dansante. Et le domaine a proposé des couchages, etc. Aux invités. Nous, on a préféré dormir dans la voiture par rapport aux mesures de sécurité et sanitaires du Covid. Bon, il y a suffisamment de chambres dans le domaine pour que chaque invité ait leur chambre. Mais néanmoins, voilà, on est prestataire, donc on va éviter de prendre les chambres d'un invité. Et voilà, on va espérer que demain on puisse partir, dimanche. En gros, il signale encore de la pluie, donc du coup on ne sait pas si on va pouvoir partir demain, en sachant que demain on est censé prendre un train pour... Ah, je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont faire la même idée que nous. Il y en a d'autres qui viennent à leur voiture. Bizarre. Tu crois qu'ils vont prendre le risque de se rentrer ? Il y en a, c'est ce qu'ils m'ont l'air de dire. Hein. Ah ouais ? Les prestats déjà, c'est sûr. Donc du coup... T'es content, Clément ? C'est cool, on dirait que t'es dans un lit limite. Ouais, c'est ça la vidéo un peu fake. Enfin, on est heureux. On se voit demain matin. Putain, les gars. On est rentré, il est 4h du matin et on est rentré. Genre on a causé pendant 2h dans la voiture. On a vu toutes les voitures du parking qui se barraient. Et ça faisait genre 3h où il n'avait pas encore plu. Puis on s'est dit vas-y on chauffe, on rentre. Donc on est rentré. Ouais, elle est pas mal grosse quand même. Salut, poulette.